Bonjour à tous les gilets jaunes et à ceux qui veulent en être. Bon, voilà une petite vidéo rapide qu'il faudra partager parce qu'en fait c'est un appel à la mobilisation que je fais et puis plus tard on rentrera dans le détail. Je suis un très mauvais orateur, j'ai essayé de préparer un truc que je pourrais vous lire mais en fait j'ai la gueule collée sur le bouquin et j'arrive plus à regarder en face. Alors bon, pour éviter de me cacher, voilà, on peut faire ça. Aujourd'hui je lance un appel vers tous les métiers qui ont des gros engins pour bloquer, c'est-à-dire le transport, les travaux publics, les paysans. Si vous en voyez d'autres, bah, n'hésitez pas. On a déjà les taxis qui s'y sont mis, c'est parfait. Les ambulances, c'est excellent. Voilà. Et ça sert bien que les autres métiers s'y mettent maintenant. Et il y en a marre de filtrer. Maintenant, on va tout bloquer. Parce qu'en bloquant tout, ça sera plus facile de faire évacuer le gouvernement qu'on a là actuellement. Et le président, bien sûr. On peut faire destituer le président de la République. Article 68, vous avez peut-être entendu parler. Je me suis un peu penché sur la question et j'ai demandé à un juriste qui m'explique comment que ça pouvait se faire. Donc voilà, si moins de 30% de la population est favorable à notre président, ça peut être une faute de sa part et on peut demander à le faire destituer. Ça peut être dû à une faute de sa part. Aujourd'hui, on voit qu'il est plutôt livide, il n'est pas très clair dans ses explications, il nous fait un discours, on a l'impression qu'il a pris trop d'oliprane à la codéine, limite, il allait s'endormir sur le micro. J'ai peur, il n'est pas apte à gouverner ce gars-là. Donc, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose dans la légalité. Donc ça sera la destitution. Ça peut être fait en 3 semaines, 1 mois. Mais en attendant, il faut bloquer. Et pour pousser nos ministres, nos députés à signer dans notre sens, il faut à tout prix qu'on leur fasse pression. Donc on va bloquer les villes. On va bloquer tous les sites qui ont une grande importance, les aéroports, les ports, les voies ferrées. Comme ça, on va couper toutes les communications avec l'étranger. On va bloquer tout le commerce avec l'étranger. Ça va nous aider. Ça va nous aider dans le sens où les pays voisins vont commencer à appuyer sur la tête à Manu. Ils vont y appuyer sur la tête, histoire de le faire couler un peu plus, ou de le pousser à couler un peu plus. Donc, il faut faire. Donc, amis camionneurs, transporteurs, chauffeurs, amis du terrassement, n'hésitez pas, mobilisez-vous, faites-moi un petit signe. Si vous aimez le truc, c'est bien, likez, il n'y a pas de souci. Mais partagez la vidéo et puis mettez-moi un petit message. Si vous êtes OK, combien de véhicules vous mettez, des chauffeurs, quel genre de véhicule, mettez-moi un petit truc, j'essaierai de lire, peut-être pas tout, je ne sais pas. Mais il faut à tout prix qu'on y aille, il faut qu'on se bouge et que tout le pays soit bloqué. Voilà. Je rentrerai dans le détail un petit peu plus tard. Alors pour l'instant, réfléchissez et donnez-moi votre avis. Merci, à bientôt.